Yo les potes, c'est une nouvelle petite vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour récupérer des récompenses, mais du coup, voilà une nouvelle vidéo pour récupérer 4 récompenses. Là, on voit que la dernière récompense parce que les 3 autres, je les ai déjà récupérées, mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors, déjà, je vais vous montrer les 4 récompenses. Hop. On a en quatrième récompense le revêtement iridescence. Ok, vous voyez, il est comme ça à droite. Franchement, il est pas ouf, mais c'est quand même stylé. Ensuite, on a la première récompense. Attendez, merde. Faut que je le trouve. Alors, où est-ce qu'il est? C'est lui. En première récompense, vous allez avoir un tag rétablissement, les gars. Donc voilà, enfin, pas un tag, un émoticône. En deuxième récompense, attendez, si je me le rappelle bien, c'était une piste musicale. Hop. C'est exactement celle-là, voilà. Modulation. Je vous laisse écouter un petit peu. Donc voilà la deuxième récompense. Et en troisième, c'est une pioche. C'est une pioche de couleur bleue. Où est-ce qu'elle est? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Serre bleue. Donc c'est la pioche des ninjas, sauf qu'elle est bleue. Voilà. Donc voilà les 4 récompenses à débloquer, les gars. Et je vais vous expliquer comment débloquer les 4. Alors tout d'abord, vous allez devoir vous rendre sur ce site internet, hop, qui est Raf Fortnite. Donc qu'est-ce que c'est que Raf Fortnite? C'est un site, vous voyez là ici l'URL, c'est un site où en gros vous allez avoir plein de défis de temps en temps. Et aujourd'hui, les défis de cette semaine, c'est rétablir un ami. Vous allez voir que rétablir, ça ne veut pas dire rétablir avec le bus, ça veut juste dire de faire... Bref, je vais tout vous expliquer parce que vous comprenez rien. Donc ici, vous allez avoir plein de gens que vous avez en ami. Et donc vous allez devoir choisir quelqu'un qui n'a pas joué plus d'un mois. Ici, vous allez vous connecter avec votre compte principal. Vous ajoutez la personne. Donc moi, j'ai ajouté celui-là. C'était un ami qui n'a pas joué depuis plus qu'un mois. Donc j'ai joué avec lui. Et quand vous êtes avec cette personne, vous allez devoir jouer des parties ensemble. Donc vous voyez que vous devez jouer une partie pour avoir l'émoticône, 5 parties pour avoir ça, 10 parties pour la pioche et 20 parties pour le revêtement. Et quand vous allez avoir joué 20 parties, vous allez débloquer tout, 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 tout. Si vous ne voyez pas la barre qui s'augmente petit à petit, c'est normal parce qu'elle est très longue à augmenter. Et pour faire une partie, vous devez jouer avec la personne. Donc moi, je joue avec mon compte. Et l'autre personne doit jouer aussi. On joue dans la même partie, donc en duo. Et vous vous suicidez dans la game 20 fois pour avoir toutes les récompenses. Je pense que je vous ai bien expliqué, mais je vais quand même vous réexpliquer parce que c'est un peu brouillon. Alors, vous allez sur le site comme ça. raf.fortnite.com. Ici, vous allez vous connecter avec votre compte principal sur lequel vous voulez les récompenses. Donc, moi, CodeNSQ, c'est mon compte principal. Ici, vous allez avoir plein de gens que vous avez en ami sur votre compte et vous allez voir ceux qui n'ont pas joué depuis plus qu'un mois. Et puis, si vous avez un pote, par exemple, il n'a pas joué depuis longtemps, vous lui envoyez un message, il vient, vous le mettez ici, vous le sélectionnez, vous allez en duo et vous jouez 20 parties, vous vous suicidez dans le vide. Et puis voilà comment récupérer toutes les récompenses. Après, vous attendez quelques minutes, quelques heures, et vous allez tout récupérer. Voilà, je pense que j'ai assez bien expliqué, même si c'était un petit peu brouillon. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous avez des questions, dites-les en commentaire, je vais répondre à tout le monde. Du coup, voilà, Code Créateur NSQ, ciao!